Salut Julien et bienvenue à Richesse Hacking. Merci d'être là. Ça fait vraiment plaisir de t'avoir aujourd'hui. Merci à toi de m'inviter, Bruno. Alors, je dis pourquoi ça me fait autant plaisir, c'est parce que on en parlait juste avant. Hein, t'es un ancien, un des vétérans de l'internet et de la bourse. T'es un des premiers à avoir partagé ta passion et partagé ce que tu faisais dans ce domaine-là avec le monde sur internet et notamment avec le monde francophone. Oui, c'est vrai, j'ai commencé mon premier blog en 2006, puis surtout l'aventure Graphseo a commencé réellement en 2008 où j'ai commencé à vraiment professionnaliser les choses vis-à-vis de la demande également et des visiteurs. Mais après, voilà, ça s'est fait de soi-même, j'ai jamais trop réfléchi à tout ça. Et aujourd'hui, voilà, il y a quand même plus de 4000 visiteurs par jour, donc ça fait plaisir, c'est sûr. Ouais, bah ce qui est fort aussi, c'est que tu me disais, t'as donc plus combien des milliers d'articles gratuits, t'as vraiment produit du contenu et donné tout ça de façon gratuite. Et aujourd'hui, tu continues avec une chaîne YouTube. J'ai vu, t'as des publications assez réputées quand on parlait de ton travail, Le Monde, Capital, même sur France 5. Bah déjà félicitations et puis c'est encore plus jouissif de t'avoir avec nous pour partager ça pendant cette petite heure d'interview, quoi. Bah, merci, cet accueil fait très plaisir. Et oui, en effet, c'est beaucoup de travail hein, au quotidien depuis pas mal de temps maintenant. Plus de 4000 articles gratuits hein, disponibles sur le site. Alors voilà, le gros du travail maintenant, en fait, c'est de ranger tout ça pour faire en Ah sorte ouais. que ce soit facilement retrouvable. Parce que voilà, si on voudrait s'y mettre, et pour les gens qui nous regardent, qui s'intéressent à l'analyse technique, l'analyse graphique, le sujet dont on va creuser aujourd'hui, ça veut dire qu'il faudrait 10 ans, plus de 10 ans pour lire tous ces articles en lisant un par jour, quoi. Ça fait Ouais, beaucoup. ça fait beaucoup de choses. Alors l'avantage justement, c'est que j'ai créé des guides, j'ai créé des livres également et des formations pour synthétiser un petit peu tout ça, synthétiser et aller à l'essentiel. Et puis je pense qu'aujourd'hui aussi, on va parler de pas mal de choses et on va synthétiser un petit peu toute la pensée qu'il y a derrière tout ça. Ouais, alors pour juste finir le cadre et le contexte, est-ce que tu peux nous dire et dire aux gens qui nous écoutent, c'est quoi ton background un petit peu et puis qu'est-ce qui t'a amené à cette expertise sur le trading et aujourd'hui, quels sont tes résultats, quelle est ton approche du trading? Ouais. Bah alors, je me nomme Julien Flo, j'ai 33 ans aujourd'hui et donc bah, j'investis en bourse depuis 2006 d'une manière sérieuse. Hein. J'ai commencé en fait à avoir ma première action en 1998 achetée par mon père, hein, c'était France Télécom à l'époque. Donc j'ai vécu mon premier krach boursier dans les années 2000 et en fait c'est ça qui m'a poussé à vouloir comprendre. Mon père et ma mère aussi, ma mère avait des actions Rothschild, mon père avait des actions Alcatel. Donc en fait, voilà, mon père avait pas mal d'amis aussi qui boursicotaient. Alors il y en avait qui étaient plus long terme, d'autres plus actifs à l'époque de la bulle Internet. Donc en fait, j'ai baigné là-dedans dans les discussions également entre adultes et j'étais relativement jeune encore à l'époque. Mais voilà, ça m'a passionné tant et si bien que en fait, j'ai commencé tous les après-midi quand je rentrais de l'école, du lycée, à regarder Bloomberg également. À l'époque, il y avait la chaîne de télé Bloomberg. Et donc, je regardais défiler les prix des actions et des fois, j'étais surpris entre deux défilements qu'une action pouvait baisser ou monter vraiment d'une manière assez exponentielle. Je me souviens, à l'époque, je suivais pas mal, notamment Arcelor et puis, parce qu'il y avait eu le rachat, etc. Donc, c'était vraiment ça qui m'avait passionné. Et puis, bon. Derrière, en fait, j'ai commencé à travailler en 2004-2005. J'ai travaillé au McDo à côté de mes études. J'ai fait un master également en finance. Hein. Donc, mon premier master, c'était avec une spécialisation finance, donc une finance corporate, hein, donc finance d'entreprise. Et derrière, j'ai voulu quand même séparer à un moment donné. J'ai fait un deuxième master en école de commerce avec une spécialisation supply chain parce que j'ai voulu séparer ce qui était passion et profession. J'ai pas voulu vraiment mélanger. En plus, à l'époque, mes résultats n'étaient pas non plus tonitruants. J'avais pas un capital énorme, hein, donc je me suis lancé avec 1000 euros. Mais en fait, surtout, hein, ce qui a fait le déclic, c'est que j'ai pas commencé avec 1000 euros et derrière, j'ai plus rajouté d'argent. Non, en fait, j'ai bossé au McDo, j'ai fait pas mal de ventes, je vendais des balles de golf, etc. Donc, j'ai fait en sorte de récupérer pas mal d'argent et je réinvestissais complètement tout en bourse.
Ce qui fait que aux alentours des années 2008, en fait, c'est réellement là où j'ai commencé à avoir un portefeuille, un capital, je dirais, soutenable, qui m'a permis de me lancer. Et je me suis lancé en plein dans la crise des subprimes, mais j'avais quand même un background avant en termes d'analyse graphique. Hein, je suis autodidacte, mais voilà, j'ai beaucoup appris, surtout sur Internet, hein, parce que j'étais pas le seul à l'époque. Hein, il y avait énormément de sites qui ont malheureusement plus ou moins disparu, parce qu'il faut dire ce qui est, c'est quand même une activité qui prend beaucoup de temps. Ouais. Et voilà, les gens, évidemment, ont des responsabilités, ont des familles après, ce qui fait qu'à un moment donné ou à un autre, malheureusement, ils arrêtent. Mais quand j'ai commencé aussi, je suivais en fait des blogs. Et finalement, le blog que j'ai créé aujourd'hui avec GraphSeo, c'est rien de plus en fait que ce que j'aurais aimé moi trouver quand j'ai débuté et trouver toutes les informations un petit peu au même endroit, avoir quelqu'un qui trade et que je peux suivre. C'est pour ça que je partage mon portefeuille également, hein, je partage mes positions et je partage donc mes succès et mes échecs. Parce que pour moi, la règle d'or, c'est de montrer, c'est pas vendre du rêve dans le sens de dire… Voilà, on peut gagner en bourse, oui, mais il faut le faire d'une manière méthodique. Il faut pas y aller comme ça, comme au casino, c'est-à-dire faire une mise et puis derrière voir au petit bonheur la chance si ça marche ou pas. Il y a toujours une histoire comme ça, on trouve toujours des personnes pour qui ça a marché. Mais voilà, il faut se méfier de ça. Si on veut être régulier à long terme, il faut avoir une méthode. Ok. Et donc, toi aujourd'hui, après ces premières expériences, au final, est-ce que tu as eu cette activité de trading en parallèle d'un travail à temps plein ou ça a été directement, tu t'es mis à temps plein? Non, je déconseille de s'y mettre à temps plein directement tant qu'on n'a pas un capital suffisant. Hein. Quand je dis capital suffisant, c'est un capital qui nous où on n'a pas besoin de trader pour vivre. Parce que ça, clairement, ça sera un frein à vos performances. C'est clair et net, je veux dire, il faut vraiment éviter. Il y a des personnes qui vont y arriver, c'est sûr, hein, il y a des personnes qui ont ce talent, qui ont quelque chose de inné et qui vont réussir. Mais pour la grande majorité des gens, je conseille vraiment pas de laisser tomber le job. D'une part, parce que le job permet de ramener du salaire et donc si on arrive, ça nous permet de nous nourrir et donc de pas avoir besoin de gagner, de pas mettre une pression à devoir absolument gagner et récupérer des sous comme ça pour vivre. Et donc moi, j'ai gardé mon job hein, jusqu'il y a un an. Donc, j'étais salarié dans deux grands groupes. J'ai fait d'abord un grand groupe informatique et puis un grand groupe aéronautique aussi. Et donc, j'ai géré en fait mon portefeuille en parallèle. Je faisais du court terme de temps en temps sur des positions quand j'en avais le temps. Et puis, la grande majorité, en fait, je fais ce que j'appelle du moyen terme, c'est-à-dire ce qu'on appelle communément du swing trading, c'est-à-dire que je conserve mes actions de quelques semaines à quelques mois. Et évidemment, des fois, le marché réagit tout de suite. Et donc, en l'espace de quelques jours, on peut vendre. Mais dans l'optique générale, voilà, je suis quand même, quand j'achète une action, c'est pas juste pour faire un aller-retour, c'est pour profiter, voilà, d'un mouvement de quelques semaines à quelques mois. D'accord, ok, excellent. C'est excellent parce que ça fera écho aussi à un autre expert qu'on a eu pour cette série vidéo de Richard Hacking sur vraiment uniquement le swing trading. Donc effectivement, ça montre que cette stratégie-là est pertinente pour les gens qui veulent trader, et avoir ce flux de revenus complémentaires qui puissent se faire en complément d'un travail à temps plein, quoi. Ouais. Parce que toi aujourd'hui, si tu avais en face de toi, voilà, une personne, et donc on va dire le profil d'une personne qui peut nous regarder aujourd'hui, quelqu'un qui a un peu d'argent à mettre et qui souhaite débuter dans la mise en place d'une stratégie de trading, quel montant tu lui recommanderais de mettre? Est-ce que 1 000 euros, 2 000, 5 000, 10 000? Ouais. Pour moi, il n'y a pas un montant fixe, en fait. Tout va être proportionnel par rapport à son capital, à ses objectifs, à ce qu'on veut faire, à son âge. Parce que c'est sûr que si on dit débuter avec 1 000 euros, bon, c'est clair et net. Moi, ce que je recommande, c'est d'éviter de faire trop de portefeuilles virtuels, faire ce qu'on appelle du paper trading. Parce que la grosse problématique avec le portefeuille virtuel et le paper trading, c'est qu'on ne joue pas notre propre argent, c'est pas du réel. Et donc, on n'a pas toutes les émotions qui rentrent en jeu. Et ça fait une réelle différence et ça a tendance à frustrer du coup les personnes qui font 6 mois ou X mois de paper trading et qui derrière passent au réel et qui comprennent pas pourquoi elles ne gagnent plus. Donc, elles gagnaient, elles réussissaient à mettre en place avec discipline une stratégie
sur du non réel. Et puis, dès qu'elles passent en réel, bim, elles commencent à perdre. Et donc, ça les frustre énormément. Elles ne savent pas, ouais. Elles savent pas pourquoi. Et elles se mettent à rechercher et à analyser dans le marché et pouvoir chercher des indicateurs miracles, etc. Donc, non. Oui. La vraie réponse, elle est surtout en soi-même. Elle est dans sa capacité à être disciplinée, dans sa capacité à mettre en place une routine et à se concentrer non pas sur le gain, mais à chaque fois sur le risque et surtout en fait sur le processus, sur la routine que l'on met en place pour mettre en place trade après trade la routine de trading. Et on met en place également ce qu'on appelle le plan trading. Donc, c'est la gestion du risque, hein. Et donc, pour commencer, pour revenir à ta question, puisque je suis parti un petit peu, pour moi, voilà, si le but, c'est de mettre de l'argent dont on n'a pas besoin. Alors, que ce soit 1 000 euros, que ce soit 10 000 euros, ça va être fonction de votre capital aujourd'hui, de votre patrimoine aujourd'hui, bien évidemment. Après, il faut mettre une somme qui soit suffisamment motivante dans le sens où les gains vont quand même avoir un impact, mais il ne faut pas mettre une somme qui est trop importante par rapport à son patrimoine, parce que là, ce sont vos émotions qui vont prendre le dessus et votre impatience, et donc vous n'allez pas mettre en place la stratégie de manière disciplinée parce que l'argent sera trop important pour vous et les pertes ou les gains vont vous faire rentrer dans des peurs. Et ces peurs-là, pour moi, il y a deux grands dangers en bourse, hein, ce sont les frais et vos peurs. Et c'est ça qui vous coûte de l'argent et qui vous fait perdre à long terme si on travaille pas dessus, en fait, tout simplement. Ok. Et alors, pour ces deux points-là, comment tu conseillerais de les travailler? Alors, c'est peut-être, pour cette méthode de commencer les bases, c'est d'avoir bien en tête ces deux points-là, quoi. Les frais et les peurs. Ouais. Ouais, pour moi, clairement, c'est d'abord avant de débuter, ce qui est très important, c'est de réduire au maximum les frais. Je veux dire, faut oublier les banques de réseau aujourd'hui qui vont vous prélever des frais absolument énormes sur chaque transaction. En plus, ils vous prélèvent encore des droits de garde. Hein. Alors l'avantage des banques, c'est qu'on peut quand même négocier avec le banquier. Par exemple, un courtier que j'apprécie et qui est une banque, c'est Crédit Agricole, mais c'est le Investor Intégral. Et donc, si on fait plus de 24 transactions par an, en fait, il y a un abonnement annuel qui est rendu caduc et les frais à ce moment-là sont à 0,9% hors impôt. Donc, avec impôt, ça fait 0,11% l'aller-retour. Donc, ça, c'est très compétitif. En plus, ça fait partie d'une banque de réseau, hein, le Crédit Agricole. Donc là aussi, pour les personnes qui veulent mettre des gros montants, c'est plutôt le type de courtier que je proposerais. Après, vous avez également pour des personnes qui ont des plus petits montants, il y a Bink aussi qui est très bien et qui a une offre aujourd'hui avec Pro Real Time. C'est une plateforme aujourd'hui d'analyse graphique, hein, sur laquelle vous pouvez trader aussi, que je recommande. Mais il y a pas que celle-ci. C'est en fonction de ses moyens, évidemment, et du niveau de professionnalisme auquel on veut arriver, et surtout donc de son horizon de placement. Ensuite, il y a Saxo Bank qui a une très bonne offre aujourd'hui aussi. Et je dirais le tout dernier, c'est DeGiro. Et je dirais que DeGiro, voilà, c'est plus le courtier qui va être utile parce qu'ils sont très peu chers, donc pour des petits portefeuilles et pour les personnes qui veulent démarrer. Mais après, dès qu'on commence à avoir un capital supérieur, voilà, à 10 000 euros, je pense que c'est plus important de revenir sur des courtiers qui non seulement vont avoir des bas prix, mais aussi vont proposer une plateforme de trading intéressante, vont proposer du service et vont proposer également du support, hein, parce que ça, c'est très important. Aussi, derrière, il n'y a pas que le prix à un moment donné qui est important. Dès qu'on commence à avoir un capital important, c'est la sécurité et la plateforme en tant que telle. OK. Au niveau de la plateforme graphique, donc j'ai parlé de Pro Real Time. Ouais, alors, on en a déjà parlé avec un autre invité. Donc, effectivement, c'est super parce que ça corrobore et ça corrole. Ouais. Donc, Pro Real Time, pour moi, c'est ce que j'utilise aujourd'hui. C'est ce que je recommande pour les personnes qui veulent faire du swing trading. Alors, il y a une version gratuite, hein, de Pro Real Time qui n'a pas les données en temps réel, mais pour un swing trader, pour quelqu'un qui a un horizon de placement qui est plus long terme, les cours sont mis à jour le soir, tous les soirs à 18h. Et ça suffit amplement puisqu'en fait, dans notre routine, c'est le soir essentiellement qu'on va faire les analyses entre 30 minutes et 1 heure. Alors, c'est sûr que quand on débute, on va passer beaucoup plus de temps. Ouais. Et au fur et à mesure où on va bouffer du graphe, hein, c'est comme ça qu'on dit, notre expérience et notre œil va commencer réellement à emmagasiner l'information et à reconnaître ce qu'il faut reconnaître, là, on va pouvoir aller beaucoup plus rapidement dans les analyses et du coup, y passer 30 minutes, 1 heure. Après, personnellement, moi, j'y passe beaucoup plus de temps parce que aujourd'hui, j'ai au sein de la communauté aussi un devoir, voilà, de proposer aussi des opportunités. Donc, j'y passe du temps, mais en moyenne, voilà, je pense qu'une heure le soir,
c'est suffisant pour quelqu'un qui veut faire du moyen terme. Après, pour quelqu'un qui fait du long terme, c'est uniquement le week-end. C'est 1 ou 2 heures de pareil sur le week-end. Et là aussi, Pro Real Time en version gratuite est absolument tip-top et suffisante. Pour les personnes qui veulent faire plus de court terme, c'est clair, et donc détenir des actions pour quelques heures, quelques jours éventuellement, ou qui commencent à se professionnaliser et avoir un capital certain, c'est clair et net que le temps réel est un réel plus. Et à ce moment-là, il faut passer à la version payante de Pro Real Time. Alors, si vous passez par moi, alors j'ai aucun lien d'affiliation avec Pro Real Time, c'est-à-dire que je récupère rien du tout, hein. C'est juste que si vous venez de ma part, vous avez, vous, un prix. Moi, je n'ai rien en parallèle, mais l'abonnement passe à 10 euros par mois au lieu de 70. Parce que Pro Real Time, dès qu'on commence à cocher certains marchés, ça commence à devenir super onéreux quand même. Il y a des alternatives. Il y a des alternatives. C'est Pro Real Time que j'apprécie parce qu'il y a la possibilité de faire des screeners, c'est-à-dire des filtres qui vont détecter les actions pour nous. C'est-à-dire, moi, j'ai mis ma stratégie en fait dans ces screeners-là et ça me détecte automatiquement des titres qui rentrent dans mes conditions. Donc, ça me fait gagner énormément de temps. Ah ouais, ça a une espèce d'automatisation, quoi. C'est de l'automatisation, ouais, dans la détection d'opportunités. C'est-à-dire, derrière, il faut quand même donner un coup d'œil pour voir si c'est réellement intéressant parce qu'il y a ce qu'on appelle des faux positifs. Mais clairement, ça fait gagner énormément de temps. Et donc, c'est ce que j'appelle un logiciel d'aide à la décision où il va y avoir des indicateurs qui permettent d'avoir des signaux d'achat et de vente. Et il va y avoir ces screeners-là qui permettent de détecter également la liste des actions qui sont à suivre en concordance avec ce que j'apprends dans la stratégie. Yes. Et ça, c'est uniquement aujourd'hui. Malheureusement, il n'y a que Pro Real Time qui propose d'avoir ces petits logiciels et de coder nous-mêmes ces petits logiciels. C'est clair et net que c'est vraiment l'offre par défaut que je recommande. Après, pour les personnes qui ont des plus petits budgets, sachez qu'il y a TradingView aujourd'hui qui est un compétiteur de Pro Real Time et qui propose le temps réel en gratuit. Et après, quand vous commencez à professionnaliser, les forfaits mensuels sont vraiment pas importants. Et il y a également un site que je plébiscite énormément, c'est Zone Bourse. Donc, pour toutes les personnes qui sont soit sur du moyen long terme ou qui voilà ont des petits budgets, Zone Bourse, en fait, vous créez un compte gratuit et vous avez accès aux cours en temps réel sur Euronext, en décalage de 15 minutes sur les actions américaines si ça vous intéresse. Et vous avez les graphiques en temps réel également qui sont mis en place où vous pouvez donc faire vos analyses graphiques. Donc, Zone Bourse aussi, c'est une très bonne alternative que je propose pour les personnes qui n'ont pas encore le budget ou un petit capital et qui veulent donc réduire les dépenses. Ok, super. Ah, c'est vraiment intéressant tous ces outils. Je mettrai les liens pour les gens intéressés. Et puis potentiellement, tu disais pour Pro Real Time, la version payante, il suffit de donner ton nom. Il suffit de dire que vous venez de la part de Julien Flo, de Graf CEO Bourse. Et ils vous font le tarif à 10 euros par mois en temps réel. Bah, super, merci beaucoup. C'est gentil comme proposition. Je pense que ça va bénéficier aux personnes qui écoutent. Après, comme tu disais, si on commence, on n'a pas forcément besoin tout de suite de cette offre payante. Exactement. Ouais. Ouais, là, c'est vraiment pour les personnes qui vont avoir des profils beaucoup plus actifs, hein, qui ouais. vont donc avoir besoin du temps réel. Mais tu as raison, il y en a peut-être qui nous écoutent et qui sont dans ce cas-là. Tu disais donc les plateformes d'analyse graphique et les plateformes les brokers de trading. Sur quel support on va mettre ces portefeuilles d'actions aujourd'hui? Parce que c'est vrai que en France, il y a différents moyens avec un plan épargne action, avec un compte titre. Je pense qu'il y en a d'autres aussi. Toi, aujourd'hui, qu'est-ce que tu recommandes et notamment fiscalement, parce que je pense que c'est là où il y a des différences et des divergences. Ouais. Ben clairement, enfin, si aujourd'hui on est français, alors souvent on se plaint un petit peu qu'on n'a pas beaucoup de niches fiscales, etc. Mais le PEA est clairement aujourd'hui une des dernières niches fiscales et il faut clairement en profiter. Alors la plupart des gens vont juste avancer le taux d'impôt, c'est-à-dire entre 17% pour le PEA et 17% et des brouettes et 30% pour le compte titre. Mais en fait, pour moi, la différence sur le PEA et là où le PEA va battre à plate couture le compte titre, c'est sur le fait que les impôts sur bénéfices sur le PEA, vous allez les payer uniquement lorsque vous allez clôturer le compte. Donc, et ça fait une énorme différence parce que ça veut dire que année après année, vous ne payez pas d'impôts sur vos profits, vous pouvez réinvestir totalement vos gains
et donc en fait démultiplier votre capital. Et ça, pour les personnes qui comprennent la puissance des intérêts composés, eh ben clairement, si vous faites, admettons, 10% tous les ans et que vous ne payez pas d'impôts parce que vous restez dans votre enveloppe fiscale du PEA et que vous ne payez donc que si vous clôturez ce PEA, eh ben clairement, vous pouvez totalement réinvestir vos gains. Alors que sur un compte titre, année après année, vous allez payer 30% de vos gains et donc vous allez pouvoir réinvestir que ce que vous avez gagné moins ces 30%-là, à moins évidemment que vous payiez vos impôts, ce que j'ai fait moi pendant très longtemps. J'ai payé mes impôts sur mon salaire. En utilisant mon salaire, je payais mes impôts sur les gains pour pouvoir réinvestir continuellement tous mes gains pour pouvoir profiter au max de ce gain de capital-là et pouvoir continuer de démultiplier encore beaucoup plus rapidement mon portefeuille. Donc, si on a vraiment cette vision d'essayer de grimper à moyen à long terme, il faut réinvestir quasiment tous ses gains dès qu'on peut. Et c'est là aussi l'avantage de garder son job, comme on a dit au début, c'est que voilà, ça nous permet d'avoir un salaire et qui va pouvoir nous permettre de, à côté, avoir ce compte de bourse que l'on continuellement réinvestit à chaque fois les gains. Et on se serre un petit peu la ceinture sur le reste. Et ça, c'est en fonction de votre âge, c'est en fonction de votre profil, bien évidemment. Plus on est jeune, plus on peut prendre de risques. Moins on est jeune et plus on commence à avoir de responsabilités dans la vie et plus on va se tourner plutôt vers des solutions et des stratégies qui sont plus passives et qui vont donc être beaucoup moins risquées. Et donc là, évidemment, on est beaucoup moins agressif hein, dans la stratégie. Ouais, non, c'est super intéressant parce qu'il y a cette notion de voilà, la thématique là, c'est richesse hacking. Comment s'enrichir? Mais effectivement, il y a d'une part le capital qui va être créé, mais en quelque sorte immobilisé, hein, même si on n'est pas dans l'immobilier, mais voilà, qui est une structure qui va grossir, dont on va faire grossir les fonds, mais dont on ne tire pas tout de suite les recettes, c'est-à-dire qu'on ne met pas ça sur son compte en banque et on ne l'utilise pas pour utiliser, payer ses loisirs, versus l'aspect avoir un business qui rapporte de l'argent qui est directement utilisé. Et comme tu dis, hein, ça dépend, je pense, de la phase où on est, mais si on pouvait schématiser pour tous les différents types d'investissements, c'est pareil. Hein. Et on va plutôt essayer de faire au départ, et surtout quand on est jeune, une phase d'augmentation de ce patrimoine non utilisé, mais qu'on va justement en réinvestissant faire grossir plus vite et peut-être dans une autre phase de vie ou dans un autre moment qui correspond pas forcément à l'âge, mais si on se dit bon bah tiens, je veux un petit peu baisser mes heures de travail employé et puis utiliser un peu plus l'argent que je génère grâce à mes trades, on va utiliser et sortir un peu d'argent au lieu de le réinvestir pour l'utiliser personnellement quoi. Ouais, non, mais c'est tout à fait ça. Et c'est clairement ce que j'ai fait, hein. Moi, entre mes débuts jusqu'à 2016, j'ai eu uniquement ce que j'appelle un portefeuille maintenant court terme. Donc, où j'étais essentiellement spéculatif pour développer mes gains en prenant un petit peu plus de risques. Et depuis 2016, hein, j'ai basculé et j'ai surpondéré surtout mon portefeuille long terme, qui est beaucoup plus tranquille, beaucoup plus passif. Donc, avec l'utilisation notamment de trackers et de l'assurance vie. Où là, je recherche beaucoup moins la performance, mais beaucoup plus une régularité. Et le but, évidemment, c'est de faire fructifier ce capital-là, mais sans non plus le mettre à risque. Et ouais. Ça aussi, c'est une aide mentale, hein, d'avoir les deux portefeuilles, d'avoir ce court terme et d'avoir ce long terme, et d'avoir en plus un salaire. Bon, maintenant, je suis sorti de cette phase-là, mais voilà, ce que j'ai dit, hein, c'est le plus gros frein à la plupart des investisseurs. C'est le fait qu'ils s'obligent à devoir continuellement gagner pour pouvoir se payer la voiture dont ils ont rêvé. Donc, en fait, ils font un attachement émotionnel au gain. Et donc, du coup, c'est ce qui les rend inaptes ensuite à couper leurs pertes. Parce que psychologiquement, c'est trop important. Et ça, clairement, pour moi, il n'y a pas énormément d'erreurs en fait en bourse, mais il y a surtout des erreurs qui découlent les unes des autres. Et si on remonte à la cause racine, l'erreur principale, je serais tenté de dire, pourquoi la plupart des boursicoteurs perdent, ouais. C'est parce qu'ils ne gèrent soit mal leur risque ou pas du tout leur risque. Donc ça, c'est pour moi dans l'aspect mental.
Et je pense qu'on va on va y revenir parce que j'ai une petite couche à mettre là-dessus. Alors, justement, tu parlais tout à l'heure de en fonction de l'horizon d'investissement, donc court terme, moyen ou long terme, et tu l'as répété encore là, il y a des routines différentes à mettre en place, et il y a des fondements aussi bien sur les supports investis, sur la manière de choisir ces indices, la manière de trader qui différencie. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement quels seraient les différents tenants et aboutissants de ces horizons court terme, moyen et long terme. Ouais, très bien. Alors, je pense que la première chose à faire, c'est de définir son profil. Parce que c'est de là d'où va tout découler. Si vous ne définissez pas correctement votre profil, en fait, eh ben, derrière, tu ne vas pas pouvoir mettre en place la bonne stratégie. Tu vas devenir impatient. Tu vas plus finalement, tu vas te dire, j'achète cette boîte parce que je suis long terme dessus. Et finalement, dès qu'elle va perdre 5%, tu vas avoir peur et tu vas la vendre pour finalement la voir remonter et être frustré. Bref, la bourse, hein, on dit souvent que c'est l'éternel temple des regrets. Donc, pour éviter que la bourse soit le temple des regrets, il faut mettre des stratégies en place et tenir ces stratégies. Et donc, pour une perspective, pour moi, dès qu'on a défini son profil, c'est-à-dire son profil de risque, c'est-à-dire donc le capital qu'on va mettre en place, je recommande, hein, de ne pas commencer à investir la totalité du capital que l'on veut mettre en bourse. Je recommande d'y aller crescendo. De la même manière que je ne recommande pas de faire beaucoup de portefeuilles virtuels, si ce n'est pour comprendre comment la plateforme de trading fonctionne, je pense qu'il faut basculer très rapidement au réel, mais avec 10% de la somme que vous comptez allouer au final à la bourse. De cette manière-là, vous allez réellement investir de l'argent et donc vous allez ressentir les émotions et vous allez pouvoir travailler justement sur le côté émotionnel et comprendre que la stratégie, c'est une chose, la discipline de la tenir, c'en est clairement une autre et c'est là-dessus que vous allez devoir concentrer en fait le plus clair de votre temps pour apprendre et développer. Et en fait, je pars du principe qu'on est toujours un éternel étudiant sur cette partie-là, puisque nous-mêmes, hein, en tant qu'humains, on évolue également dans notre psychologie. Donc, il faut adapter les choses. Et Ok. à partir… Ouais. Vas-y, dis-moi. Non, merci. Je voulais rebondir. Juste, du coup, tu disais, disons, prenons l'exemple d'une personne qui aujourd'hui aurait 2000 euros à mettre. Donc, d'essayer de commencer le plus rapidement possible avec un portefeuille réel et de mettre 10% de ces 2000 euros, donc 200 euros pour le premier mois, première semaine, et les autres tranches de les 90 autres pourcents, de les verser et de les investir à quelle fréquence juste pour donner une idée ou. La fréquence va être dépendante en fait de votre confort. Si tu sens en fait que tu es confortable, que tu commences à gagner, etc., tu peux commencer à rajouter, voilà, 1000 euros. Tu peux rajouter par tranche de 10%. Et ça, voilà, à hauteur de mois par mois en fait, pour finalement arriver Ok. au bout, on va dire, aux alentours d'une dizaine de mois, arriver à ton capital total. Ça, évidemment, c'est si tu te sens confortable. Ouais. Dès que tu te sens pas confortable, il est hors de question en fait de rajouter de l'argent au pot. Il faut rester sur ton capital et continuer à investir sur ce capital, hein. Les plus Excellent. grosses erreurs sont faites parce que les gens en fait investissent trop gros et donc du coup émotionnellement n'arrivent pas à gérer la position et n'arrivent pas à tenir la stratégie derrière. La gestion du risque, vraiment, c'est quelque chose de très important parce que c'est de là d'où découlent toutes les erreurs que l'on peut faire derrière. Comme de rajouter au pot, etc. Et ça, il faut absolument pas le faire. Ok, merci beaucoup pour ce point de précision. Donc, juste pour revenir, alors après, voilà, si on commence avec 2000 euros, etc., il faut faire attention par rapport aux frais, parce que dès qu'on va faire des positions, par exemple, de 200 euros sur des actions, c'est pas beaucoup. Donc, ça fait des frais assez importants. Et puis, bon, voilà, on va pas non plus gagner des 100 et des 1000 par rapport à ce type de capital-là. Donc, ça peut pousser certains débutants à aller voir plutôt du côté du Forex, à aller voir du côté des CFD, à aller voir côté des warrants, des turbos, bref, des produits dérivés qui vont vous proposer un effet de levier. Alors là, pour moi, c'est un petit peu la grosse croix rouge pour un débutant. Parce que c'est comme en gros si vous débutiez sans rien connaître et sans surtout savoir gérer vos émotions et que vous débutez directement par ce qui est le plus difficile Ouais. en termes de gestion d'émotions à cause de l'effet de levier. Et le problème, c'est que les gens se concentrent sur ce qu'ils peuvent gagner, mais ils ne se concentrent pas du coup sur s'ils ont tort, ce que l'effet de levier va leur faire perdre.
Et également, ils ne se concentrent pas sur la part des frais qui est absolument énorme sur tous les produits dérivés. Hein, et qui donc, juste, le but du jeu, c'est quoi d'un broker sur produits dérivés? C'est qu'il va vous pousser à trader à court terme. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que vous passez une transaction, lui, il prend une commission. Les commissions, il a beau vous dire qu'elles sont basses, la plupart des commissions sont cachées. Comment? Parce que la plupart des produits dérivés sont des marchés qui sont non régulés. Donc, c'est-à-dire que c'est le broker lui-même qui fait les prix. Et évidemment, lorsqu'il vous donne un prix, eh ben, c'est un prix qui est un petit peu plus cher que le prix réel. Et évidemment, il a sa com qui est intégrée à l'intérieur. Donc, tout ça fait que il faut faire très attention par rapport à ça, parce que c'est possible hein, de gagner sur des produits à effet de levier, etc. Mais il faut absolument savoir ce qu'on est en train de faire et du coup avoir une plus grande expérience et surtout une très très bonne gestion de son risque et une très très bonne capacité à gérer son plan. Et la plupart des débutants, évidemment, c'est pas le cas. Et la problématique, c'est que moi, je les vois parce que justement, ils n'ont pas suffisamment de capital. Je les vois démarrer directement là-dessus. Et c'est ce qu'il y a de plus dur. Donc forcément, il y a 95% de perdants. Ouais. C'est de là d'où la stat sort de l'AMF. Hein. 95% des perdants, c'est pas sur des investisseurs en action. C'est essentiellement sur des spéculateurs, entre guillemets, sur du forex, sur des produits dérivés comme les CFD et autres. Et donc là, voilà, il y a les frais, au niveau des frais, ça pêche. Et au niveau du mental, c'est très, très difficile également. On peut évidemment faire ce genre de produit-là, mais moi, je pars du principe qu'il faut y allouer à ce moment-là une toute petite partie de son portefeuille d'investissement et pas la totalité, sinon on n'est rien de plus qu'un joueur de casino. Et seulement quand on est suffisamment aguerri, que l'on a déjà un bon track record sur les actions, par exemple, là, à ce moment-là, on peut commencer à s'intéresser à prendre de l'effet de levier parce qu'on sait ce qu'on est en train de faire, on sait gérer son risque. Exactement. Donc là, pour les gens qui nous écoutent, on est plus sur voilà, on va commencer sur une stratégie, on va s'efforcer de comprendre d'abord le marché action et peut-être même marché action français. ouais, je pense réellement. Bon, d'une part, avec le PEA, si on part du principe qu'il faut un PEA, on est essentiellement sur des actions françaises aujourd'hui. Après, je vous engage quand même à avoir un compte titre hein, parce qu'il y a toujours des opportunités intéressantes sur le marché américain. Mais si on débute réellement, oui, il faut se faire la main. Clairement, le PEA aujourd'hui, pour moi, c'est une énorme niche fiscale qu'il faut pas louper. Donc, il faut ouvrir son PEA le plus tôt possible hein, pour pouvoir faire démarrer la date et également d'engagement parce que derrière, au bout de 5 ans, vous pouvez décider de clôturer votre PEA et de payer donc vos impôts à ce moment-là. Donc, il faut, même si on n'a pas beaucoup d'argent, je pense qu'il faut ouvrir le PEA le plus tôt possible. Hein. D'accord. Et derrière, le compte titre également sera toujours utile. Alors moi, je pars du principe que le PEA doit être le fondement de votre patrimoine sur lequel vous réinvestissez continuellement les gains. Et derrière, le compte titre, finalement, si vous avez un besoin de devoir sortir de l'argent pour vous payer un resto ou pour pouvoir sentir finalement que ce que vous gagnez sert à quelque chose, ça peut être un besoin psychologique. Hein. Et donc ça, si vous sentez que vous avez réellement le besoin, ça risque d'impacter négativement la gestion de votre patrimoine à plus long terme. Donc à ce moment-là, ça peut être intéressant d'avoir le compte titre qui va avoir cet effet-là pour réduire vos pulsions, réduire justement cette impulsion-là. Et le compte titre, là, vous pouvez sortir l'argent en prenant bien en compte, évidemment, que quand vous gagnez 1000, hein, vous avez 30% à donner aux impôts. Et donc, vous pouvez éventuellement dépenser une centaine d'euros pour amener votre petit ami au resto, par exemple, et dire ça, c'est grâce à ma super plus-value sur Peugeot ou que sais-je. Mais voilà, donc ça, après, toutes les personnes sont différentes. Mais si vous êtes plutôt impulsif, que vous avez besoin de gagner rapidement, c'est bien de ségréguer les deux, PEA et compte-titre, et le compte-titre, de l'utiliser voilà, comme entre guillemets, une capacité à défouler votre ego. Une soupape, voilà. Exactement. Et voilà, c'est la soupape de sécurité, exactement. Et donc, alors, pour continuer sur ce qu'on disait, les trois routines, enfin les routines qui correspondraient aux trois visions court, moyen et long terme, comment tu les définirais? Alors, pour moi, la stratégie de long terme, c'est pour détenir des actions de plusieurs mois à plusieurs années. D'accord. Donc ça, pour moi, c'est la définition du long terme. Chacun a sa propre définition, mais c'est juste pour que à chaque fois qu'on va parler de court, moyen terme, long terme, juste que pour on parle de la même chose. Donc voilà, de quelques mois à quelques années, ça c'est la définition long terme. Et pour moi, donc sur ce portefeuille long terme, aujourd'hui, il faut utiliser une gestion, on va dire, presque passive. Je n'aime pas le terme de gestion passive parce que je pars du principe qu'il faut quand même
rester un minimum actif. Le but, c'est pas de faire du buy and hold, c'est-à-dire d'acheter, de plus regarder et de réouvrir son PC dans 10 ans et de voir ce qui s'est passé. Clairement, donc d'utiliser les trackers aujourd'hui, d'utiliser également l'analyse graphique pour pouvoir savoir quand acheter les trackers, mais derrière, d'avoir une stratégie où tous les mois, on va mettre un montant fixe et on va s'obliger à épargner et donc à investir une partie sur le tracker et l'autre partie sur une assurance vie en euros. Ça, c'est la stratégie de création de patrimoine à long terme. Et on peut faire, suivant comment va la bourse, en ce moment, la bourse va très bien. Donc, on peut faire, par exemple, du 70% à chaque fois le montant fixe. On peut faire du 70% sur action ou sur tracker. Et on peut faire les 30% restants sur assurance vie en fonds en euros. Et ouais. Puis, dès que si on a un profil qui est un peu moins risqué, etc., on peut basculer à 60% tracker action, 40% obligation. Et puis, si on voit que le marché et qu'on commence à avoir peur, etc., c'est en fonction de soi, eh ben, on va augmenter, on va réduire la part action, tracker action, et on va augmenter la part obligataire finalement, donc via l'assurance vie. Il faut, l'assurance vie aujourd'hui, c'est une autre niche qu'il faut vraiment utiliser. C'est vraiment un outil parfait aujourd'hui pour le côté obligataire. Donc pour récupérer presque entre guillemets sans risque, hein, puisqu'il y a toujours un risque, mais c'est vraiment une façon d'aller chercher du rendement. Alors aujourd'hui, c'est un petit peu délaissé puisque les taux sont bas, mais bon, dans l'avenir, il est clair et net que les taux vont continuer à remonter, peut-être pas super rapidement, mais vont continuer à remonter, et donc les assurances vie vont continuer à servir, voilà, du 3 et puis au fur et à mesure du 4%. Et ça, c'est quelque chose, c'est votre base, c'est votre base finalement en obligataire qui vous permet d'asseoir des revenus. Derrière, ça vous permet de prendre un petit peu plus de risques sur des trackers actions. Et en termes de trackers, hein, je recommande, il y a à peu près une liste. J'ai fait un article sur mon blog aussi sur les trackers que je recommandais. Je partage également mon portefeuille long terme sur mon site. Mais essentiellement, moins vous avez de temps, Et plus, en fait, vous devez réduire le nombre de titres que vous avez en portefeuille ou le nombre de trackers que vous avez en portefeuille. Donc, moins vous avez, et tout cela, évidemment, en réduisant les frais. Je vois beaucoup, ouais, de personnes qui apprécient normalement les trackers, mais qui créent des doublons, ouais, sur les trackers, ouais, parce qu'ils prennent un tracker monde. Ils prennent derrière un tracker Europe, un tracker US, etc., alors que la performance est déjà intégrée dans le tracker monde. Donc, pour le long terme, pour moi, quand on n'a pas de temps, c'est un tracker monde, assurance vie en euros. Si on commence à avoir un petit peu plus de temps à utiliser l'analyse graphique, on commence à avoir un petit peu plus de trackers, donc des trackers Europe, des trackers US, des trackers marché émergent, etc. Mais toujours l'assurance vie. D'ailleurs, sur du moyen terme, c'est du swing trading. Donc là, c'est de l'analyse graphique. Je fais également de l'analyse fondamentale, c'est-à-dire que j'ai trois ratios que je regarde. Je regarde le chiffre d'affaires contre la capitalisation. Donc, si l'entreprise a un chiffre d'affaires qui est moindre que sa capitalisation boursière, ça commence à m'intéresser. Par contre, il faut toujours prendre des ratios, c'est-à-dire que si, par exemple, c'est une entreprise comme Carrefour ou c'est une entreprise, du coup, qui fait de la vente de détail, on sait que c'est des entreprises qui font des gros chiffres d'affaires, mais qui font pas beaucoup de marge. Donc, du coup, même si la capitalisation boursière est en dessous du chiffre d'affaires, c'est pas super intéressant non plus. Ce qui devient réellement intéressant, c'est quand le chiffre d'affaires est équivalent à 0,1 fois ou 0,2 fois la capitalisation. Là, ça commence à m'intéresser. Et donc, en gros, j'utilise, ouais, l'analyse fondamentale pour faire le tri et faire la sélection sur mes actions. Parce que pour moi, l'analyse fondamentale va me dire quoi acheter et l'analyse graphique technique va me dire quand acheter. D'accord. Donc ça, pour moi, c'est vraiment très important au niveau de la sélection des dossiers. Je regarde également les capitaux propres. Donc, les capitaux propres également, je regarde s'ils sont en dessous de la capitalisation. Ça veut dire qu'il y a une anomalie de marché quand vous avez une société qui commence à coter moins que ce qu'elle vaut en termes de capitaux propres. C'est-à-dire que si l'entreprise venait à fermer, à décider, bah, j'arrête le business, pas parce que je mets la clé sous la porte, ouais, mais parce que voilà, le directeur dit j'arrête le business et je vends tout, il y aurait un pécule qui resterait et qui servirait à rembourser les dettes et derrière les actionnaires. Et si ce pécule… Ouais. Et si ce pécule est supérieur à la capitalisation boursière, bah, ça veut dire qu'il y a une anomalie de marché avec une entreprise qui est en train de coter moins cher. Donc là aussi, ça doit attirer votre attention. Et surtout, actuellement, avec la remontée des taux, hein, il faut attirer l'attention sur les niveaux de dette. C'est pas parce que vous avez un dossier qui a l'air super intéressant
qui cote en dessous de sa capitalisation boursière en termes de capitaux propres et de chiffre d'affaires, par exemple, et vous avez quelques dossiers, mais qui a une dette monstrueuse au-delà de 70, 100%, eh ben là, ça peut être problématique. Et donc, c'est là où on va regarder l'analyse graphique. Et c'est l'analyse graphique qui va nous dire si c'est intéressant d'acheter ou pas. C'est-à-dire, j'ai l'analyse fondamentale qui me permet de filtrer mes titres, à savoir les dossiers qui m'intéressent, mais Oui. le timing d'achat et le timing en bourse, c'est crucial, c'est l'analyse graphique qui va me le donner. Alors, qu'est-ce que je recherche en termes d'analyse graphique? Pour faire très simple pour un débutant, après, il y a toujours des techniques plus poussées, mais pour faire très simple pour un débutant, pour quelqu'un qui veut faire du moyen-long terme, c'est clair et net qu'on va rechercher des titres qui sont déjà dans des tendances haussières. D'accord. C'est ce qu'on appelle la théorie de Do. Et la théorie de Do, c'est de dire on va rechercher des titres en tendance haussière. Et pour repérer une tendance haussière, c'est que en gros les plus bas de votre action, à chaque fois que l'action arrive sur un plus bas et sur un creux, ce qu'on appelle un creux, ils sont toujours de plus en plus hauts. Et donc ça veut dire que les creux sont à chaque fois achetés et le niveau de prix monte. Et pareil pour les plus hauts sur le titre, à chaque fois ils sont de plus en plus hauts. Ce qui vous fait en fait, si je fais à l'image, ce qu'on appelle un canal ascendant, et en fait avec un titre qui va monter en forme d'escalier. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle une tendance haussière. Quand vous avez déjà D'accord. une tendance haussière en place, c'est ça que vous devez rechercher. La plus grande erreur de la plupart des boursicoteurs, c'est qu'ils achètent une action parce qu'elle a beaucoup baissé. Et ça, c'est le plus sûr moyen de rendre un trade inconfortable et de potentiellement aller jusqu'à la ruine. Ben, ce que l'on veut, c'est acheter un titre où il y a déjà eu une remontée et donc où on a déjà une indication finalement qu'on a des acheteurs sur ce titre-là, qu'on a des investisseurs qui veulent ce titre-là. Et ce qui va nous intéresser, c'est la consolidation. C'est-à-dire, une fois qu'on a une première poussée haussière, il y a toujours une phase de consolidation. Ouais. Et derrière, en analyse chartiste, on a des figures. Alors moi, j'apprécie essentiellement les figures en triangle. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure où vous avez les courbes qui évoluent, on a ce qu'on appelle des congestions qui vont se créer à l'intérieur de figures graphiques et donc de figures essentiellement en triangle. Et puis derrière, ça va casser par le haut, ça va casser par le bas, et c'est ce qu'on appelle une cassure. Donc que ce soit, en gros, quand vous avez les cours qui butent contre un niveau de prix, on appelle ça une résistance. Ouais. Et quand vous avez les cours qui baissent et qui n'arrivent pas à baisser en dessous d'un certain seuil de prix, on appelle ça un support. Donc ça, vous avez les résistances et les supports qui peuvent être horizontales ou qui peuvent être obliques et qui vont nous permettre, surtout quand elles sont obliques, de former des figures. Et donc, vous avez les triangles qui sont les plus importants et les biseaux. Et donc, en fait, votre consolidation, pour schématiser, Ouais. va se faire dans une figure en règle générale en biseau descendant ou en triangle. Et ce qui va nous intéresser, nous, pour acheter, c'est que fondamentalement, on voit que la boîte va bien, on voit que la boîte est intéressante. Graphiquement parlant, on voit qu'on a eu une première poussée haussière suivie d'une consolidation. Et derrière, on a la cassure haussière de cette consolidation. Et là, c'est notre point d'achat. Parce qu'on sait que fondamentalement, on a quelque chose de robuste. Donc, on prend moins de risques parce qu'on achète quand même une boîte qui est robuste. Et graphiquement parlant, on sait qu'on achète également dans le bon timing, donc on prend moins de risques en termes également de ne pas immobiliser le capital et de rentrer au bon moment. Et donc ça, voilà, c'est une affaire de patience, évidemment. Il y a des fois, souvent, on me dit, ouais, Julien, tu as réussi à gagner tant de pourcentage en l'espace de quelques semaines sur cette action. Et je dis non, parce qu'en fait, c'est potentiellement une action que je suis depuis des mois et je suis en train petit à petit de suivre comment elle évolue. En sachant que ça va devenir une action très intéressante, mais uniquement quand le signal va m'être donné du marché. Et c'est pour ça que j'ai créé des logiciels d'aide à la décision également, parce qu'évidemment, le but du jeu, c'est pas de passer son temps à suivre tout Ouais, ça. c'est ça. C'est d'avoir le logiciel, bim, qui t'avertit. Le soir, tu te logs et le logiciel va te dire directement, bah, bam, cette action-là, elle est rentrée dans les bons paramètres. Et donc derrière, tu te dis, bah ouais, super, tu regardes le graphique rapidement et tu te dis, super, c'est tip top. Juste un point Ouais. pour les débutants, c'est d'utiliser les moyennes mobiles. C'est le plus simple. C'est le plus simple pour repérer la tendance. Alors Si c'est vous ça, avez. effectivement, on en a parlé avec un autre expert sur les moyennes mobiles à 200 jours, 50 jours. Effectivement, vas-y, c'est excellent de pouvoir compléter ces points-là.
Ouais, clairement, mais c'est aujourd'hui, c'est quelque chose de très simple. Moi, je pars du principe que la bourse, ça doit être simple. Plus vous complexifiez votre analyse, plus vous complexifiez votre façon de rentrer en position, et plus vous allez tendre, dès que ça va pas marcher dans votre sens, vous allez tendre vers de l'émotionnel. C'est ça. Qu'est-ce qui se passe quand ça ne marche pas dans votre sens? Eh ben, vous allez voir les journaux, vous allez chercher du conseil, vous allez chercher en fait à vous auto-convaincre Stratégie, que vous un autre indice magique, etc. Ouais. Exactement. Et en règle générale, les personnes comme ça qui commencent à perdre, ben, qu'est-ce qu'elles font? Elles vont sur Internet et elles vont à la recherche du dernier indicateur miracle qui est censé leur donner 100% de trade gagnant. C'est complètement faux. Et si on recherche 100% de trade gagnant, on ne fera que perdre en bourse. Il faut accepter l'incertitude, accepter le risque et partir du principe pour cela, en fait, de mettre en place une vraie stratégie avec une vraie routine et un plan de trading. C'est-à-dire que vous devez définir en amont, le travail se fait toujours en amont. En bourse, ce n'est pas une fois qu'on a pris la position que l'on se pose la question de savoir où est la figure, est-ce que ça a cassé, est-ce que ça n'a pas cassé, mince, c'est encore en train de baisser, est-ce que je rajoute au pot, est-ce que je rajoute pas au pot, c'est trop tard. Et là, ça, parce que comme vous n'avez pas de plan et comme vous n'avez rien défini en amont, eh ben c'est là où vos émotions prennent le dessus. Et ça, c'est le pire qui puisse Ouais. vous arriver. Donc, définir le plan en amont, savoir quel est mon objectif. Comment je décide de rentrer sur cette position en une fois ou en plusieurs fois? Je conseille de rentrer en plusieurs fois pour lisser le risque, surtout quand on débute, hein. Et quand est-ce que je vais sortir de cette position? C'est-à-dire à partir de quel niveau en dessous de mon prix d'achat je vais décider que mon scénario est caduque, que je me suis planté et que donc je sors pour limiter et couper mes pertes et limiter mes pertes. La règle numéro un en bourse, c'est de limiter vos pertes. Alors comment on fait ça pour limiter ses pertes? Eh ben, il faut définir, peu importe votre capital, un pourcentage de perte par position. Moi, je vous recommande, alors plus on a un petit capital, plus on est obligé de risquer un capital par position important, c'est le risque d'avoir un petit capital. Ouais. Plus on a un capital important, et plus on va tendre, voilà, vers du 1 ou 2% de risque par position. Quand on a un petit capital, je recommande de faire, voilà, c'est entre du 5 et du 10%. Donc, on voit aussi l'importance d'avoir le bon timing. Quand on débute, en fait, c'est ça le plus dur, c'est de débuter avec un petit capital. Et donc, c'est là où vous avez besoin encore plus d'avoir, de bien étudier votre mental et de bien mettre en place une stratégie. Ouais. Donc, quand on parle de 1 ou 2%, quand on parle de 1 ou 2% justement de risque par trade, c'est pas de dire dès que l'action chute, j'achète cette action et dès qu'elle chute de 2%, je la vends. Non, c'est pas ça. C'est de se dire, j'achète cette action-là et admettons, j'ai 10 000 euros. Et donc, je pars du principe que je ne dois pas perdre plus de 300 euros sur l'action. Eh ben, je vais adapter ma taille de position, c'est-à-dire le nombre de titres que je dois acheter en fonction de mon niveau, ce qu'on appelle de stop, c'est-à-dire si l'action vaut 10 et que je pars du principe que mon scénario est caduque lorsqu'elle va en dessous de 9, ça veut dire que j'accepte potentiellement une perte de 10%. Si je décide de mettre tous mes 10 000 euros sur cette seule action et d'accepter la perte de 10%, ça veut dire que je peux potentiellement perdre 1 000 euros et donc 10% de mon capital total sur cette seule position. C'est trop gros, c'est trop énorme, ça Ouais. c'est casino. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On dit, moi mon niveau graphique me dit qu'en effet ce n'est que sous 9 euros et donc éventuellement je vais perdre 10% et ce n'est que sous ce niveau-là que mon scénario est caduque. Donc je vais conserver mon action jusqu'à ce niveau-là. Mais ces 10%-là, je ne veux pas qu'ils représentent plus de 2 à 3% de mon Ouais. capital total. Donc, c'est-à-dire ces 10%-là doivent valoir 200 ou 300 euros. Ouais. Et en fonction de ça, du coup, de ces 200 et 300 euros, eh ben, je vais me dire, ben, je peux pas acheter pour 10 000 euros d'actions. Du coup, je vais acheter uniquement pour 3 000 euros d'actions. 3 000, ok. Parce que si j'achète pour 3 000 euros de cette action-là, que mon stop est touché et que je perds 10%, eh ben, je perds que 300 euros sur Ouais. mes 10 000 euros. Et donc, ça me permet de voir le prochain jour et de voir le prochain trade. Si vous vous mettez trop de pression, justement, eh ben, ça va vous pousser à quoi? À vouloir avoir raison tout le temps, Ouais. ou à rechercher les indicateurs miracles, à rentrer en mode espoir dès que vous perdez de l'argent en vous disant ça va finir par remonter. Et oui, il y aura beaucoup de cas où ça va finir par remonter. Et vous allez vous dire, bah voilà, j'ai bien fait d'attendre. Et ça, vous n'allez pas vous rendre compte que vous êtes en train de faire la plus grosse erreur. Parce qu'un jour ou l'autre, il y aura un titre qui ne remontera pas et qui vous plombera et qui vous fusillera tout votre compte. Un seul titre, une seule erreur, vous allez moyenner à la baisse, c'est-à-dire rajouter au pot continuellement en pensant que ça va remonter, rentrer en mode espoir. Et là, c'est terminé. En une seule erreur, finalement, qui en aura amené d'autres, vous tuez votre compte de trading et en plus, vous vous dégoûtez à vie
de la Ouais, bourse. exactement, exactement. Et du coup, c'est intéressant quand tu parles du plan de trade où tu dis, voilà, avant même de rentrer dans la position, on sait combien on s'autorise à perdre. Donc, on met en place les stops justement pour qui sont automatiquement qui vont faire la vente. Et à l'inverse, à la hausse aussi, on vise à quelque chose, un gain minimum, et puis on se dit, à partir de là, bah, on vend même si on voit que ça continue à monter. Ouais, alors pour moi, il faut le faire en deux fois. C'est-à-dire quand on débute, il faut chercher du gain. C'est-à-dire pour moi, il y a une stratégie à mettre en place pour arriver jusqu'à doubler son capital. Une fois qu'on double son capital, le but, c'est de retirer le capital de base que l'on a mis et de se dire, je ne joue maintenant, je n'investis qu'avec mes gains. Ça va enlever une pression émotionnelle énorme et ça va D'accord, très bonne stratégie, ouais. beaucoup plus facilement ça va te permettre de tenir beaucoup plus facilement les trades et les stratégies et les plans parce que vous avez plus réellement votre argent à vous qui est en place. Après, évidemment, une fois qu'on a passé l'étape débutant, on continue de réinvestir tous les gains en permanence parce que là, on est là pour développer on est là pour développer le compte, hein. Mais c'est vraiment pour débuter. Et donc, du coup, quand on débute, en règle générale, on va avoir peur. On va avoir peur de perdre de l'argent, donc on ne va pas rentrer en position et finalement l'action va exploser, donc forcément on va dire mince. Ouais, Ce qui fait que c'est vrai. derrière, ce qui va se passer, c'est qu'on va devenir impulsif, impatient et qu'on va rentrer sur la moindre opportunité, sauter sur tout ce qui bouge, entre guillemets, et donc rentrer sur des actions très spéculatives sans plan. Et forcément, il y en aura une ou l'autre qui, à un moment donné, baissera énormément. Et comme on aura fait quasiment du all-in dessus, eh ben, ça va nous handicaper la performance grandement. Donc, le but, quand on met son plan, pour moi, quand on débute, et aussi quand on est moins débutant, c'est de ne jamais couper les ailes à son trade. C'est-à-dire que pour moi, on se définit un objectif, oui, c'est-à-dire un objectif qui est une résistance éventuelle, et on va juste couper un tiers ou la moitié de sa position sur l'arrivée de cet objectif-là. Une fois qu'on est D'accord. arrivé sur cet objectif-là, en fait, on va sécuriser une partie du gain. Pourquoi? Parce que émotionnellement, ça va nous enlever le désir de nous dire, ouh là là, ça risque de rechuter et je risque de reperdre tous mes gains latents. Et ça me fait peur. Non, je veux prendre des gains. La problématique de ce type de pensée-là, c'est qu'on obtient des boursicoteurs qui vendent très très rapidement leurs gains et qui donc font des petits gains. Et derrière, ils ont beaucoup de mal à couper les pertes de leur, de, à couper leur perte Ouais. tôt. Ce qui fait qu'en fait, c'est des personnes qui ont souvent des performances en sinusoïdale parce qu'ils font beaucoup de petits gains, mais ils font aussi beaucoup de petites pertes et finalement, ça s'annule. D'accord. Ouais, effectivement, ouais. Ne Donc perds ça, pas, mais ne gagne pas non plus. donc Ou ça, c'est alors, pas pire, il perd. intéressant. Ouais. Et pour ces personnes-là, vraiment, la stratégie, c'est de dire, donc je vais sécuriser une partie parce que même le fait de couper qu'un tiers ou la moitié de ma position, émotionnellement, ça fait baisser ma taille de position et donc je suis plus aisé dans la gestion derrière de la suite. Donc, c'est-à-dire, moi, je pars toujours du principe, pour la moitié de la position, vous mettez un objectif, vous sécurisez la moitié de votre position sur objectif. Derrière, vous remontez votre stop à votre niveau de prix de revient. C'est-à-dire que là, vous avez un trade qui est confortable. C'est-à-dire que dans le pire du pire des cas, sauf évidemment s'il y a un cataclysme et que vous avez un gap, c'est-à-dire une ouverture directement en dessous de votre prix de revient, mais au pire des cas, vous êtes gagnant sur l'action. C'est ça. C'est-à-dire que vous avez déjà sécurisé la moitié de votre gain et l'autre moitié, même si l'action se retourne, repère ses gains latents et revient à votre prix d'achat, elle se vend et vous n'avez rien perdu, rien gagné sur cette partie-là. Et donc, vous faites comme ça continuellement et c'est comme ça, en fait, qu'on va se concentrer sur le processus et sur la régularité des gains pour faire monter le compte. Le but du jeu, c'est de pas rechercher des gains aléatoires dans le sens où je veux faire un coup. C'est-à-dire, j'achète ça parce que je pense que je vais faire un coup, je vais doubler mon capital que sur cette action-là. Ça, vous allez avoir une attache émotionnelle dessus parce que vous allez vous mettre à rêver, un petit peu comme quand C'est vous ça. achetez de l'auto. Et donc, jusqu'au tirage, en gros, vous rêvez, si vous gagnez des millions, tout ce que vous allez acheter. La problématique de faire ça, c'est que vous créez un attachement émotionnel à cette action-là. Et du coup, même si à un moment donné, elle va contre vous, contre votre plan, en règle générale, vous n'allez pas tenir votre plan parce que ça serait casser votre rêve. Et psychologiquement, vous n'êtes pas dans la capacité de pouvoir décider une nouvelle fois de couper la position et du coup d'abdiquer sur votre rêve. Donc ça crée un attachement émotionnel. Il faut faire très attention à ça. Donc pour pas créer d'attachement émotionnel, c'est vraiment avoir votre routine et gérer le risque. Donc avec
la taille de position, comme on a expliqué, bien définir la taille de position pour pas que les positions soient trop importantes, parce que du coup, forcément, les pertes ne sont pas trop importantes. Plus émotionnel que discipliné. Et puis derrière, les objectifs. Je coupe, on ne sait jamais jusqu'où une action peut aller. Ça, c'est ce que j'ai appris avec des années d'expérience. On ne sait jamais jusqu'où une action peut aller. Il faut ne pas lui couper les ailes, il faut la laisser faire. Par contre, tant qu'on n'est pas gagnant, tant qu'on n'est pas régulier, eh ben, il faut quand même sécuriser à chaque fois une partie de la plus-value, 30%, 50%. Aujourd'hui, encore aujourd'hui, je sécurise quand même mes plus-values. Donc, je vais couper 30% ou 50% quand le titre est déjà monté à un niveau qui faisait partie de mon plan. Par contre, sur la suite, je laisse vivre l'action et potentiellement ça va me rapporter. Par contre, il y a ce que j'apprécie également faire, c'est que si l'action nous continue de monter, nous refait une consolidation et nous refait un breakout, c'est-à-dire une cassure de résistance, là, par contre, je vais re-accumuler à l'achat cette action-là. Et c'est-à-dire que je vais redéfinir un nouveau plan de trade parce que je vais re-accumuler ma position parce qu'en gros, elle repart pour un tour. Et, ainsi de suite. C'est-à-dire que quand vous avez une bonne action qui a ce qu'on appelle un bon momentum, c'est-à-dire en fait une bonne tendance haussière, donc vous avez énormément d'acheteurs qui suivent à l'achat, et bien les probabilités sont en votre faveur. C'est pour ça que l'on dit qu'il faut acheter des actions qui sont en tendance haussière dominante parce que vous mettez les probabilités en votre faveur que la hausse va perdurer. Et si jamais elle ne perdure pas, vous avez votre plan qui est là en termes de garde-fou pour pouvoir vous éviter de perdre trop d'argent sur un seul trade et vous permettre de voir venir et d'apprendre. Parce que ce qui est très important, c'est voilà, de continuer à apprendre avec le temps. C'est ça. Et alors, justement, là, tu nous as parlé du long terme, du moyen terme. Et au niveau du court terme, est-ce qu'il y a, y a une spécification, quelque chose de… En fait, ma stratégie, à moi, elle est simple. C'est que j'utilise exactement la même stratégie sur tous les portefeuilles. Court terme, moyen terme, long terme. La différence, ça va être l'unité de temps. C'est-à-dire que lorsque sur mon portefeuille long terme, je vais prendre mes décisions sur la base d'un graphique en unité de temps hebdomadaire, voire mensuel, c'est-à-dire que chaque barre, chaque chandelier, ça sera pour une semaine ou pour un mois. Donc, en fait, on a des graphiques qui sont très dézoomés et qui sont très long terme. Et donc là, on prend des décisions réellement. Donc forcément, il y a beaucoup moins de décisions. On a peut-être une ou deux décisions par an. Et c'est pour ça qu'on peut passer très peu de temps finalement en termes de suivi chaque week-end parce qu'on n'a pas non plus tous les jours à passer une transaction. Le moyen terme pour moi, même stratégie, c'est-à-dire on attend, on regarde les fondamentaux, on attend qu'on ait une hausse, on attend qu'il y ait une consolidation et quand on casse cette consolidation à la hausse, là, c'est notre signal d'achat. Et donc, toujours la même stratégie, sauf que je vais identifier cela sur une unité de temps journalière et hebdomadaire. J'utilise ces deux graphiques en termes de moyen terme. Et je vais affiner derrière si j'ai besoin, si je fais du moyen terme qui est plus sur quelques semaines, plus que sur quelques mois, par exemple, je vais affiner ma prise de décision sur un graphique en une heure. C'est-à-dire que chaque heure, il y a un chandelier. Et donc là, en fait, je vais zoomer à l'intérieur et je vais tenter de rentrer sur un niveau de prix encore plus précis. D'accord. Et le court terme, c'est exactement la même chose, sauf que je prends ma décision essentiellement sur le 1 heure. OK. Aujourd'hui. Okay. Donc, et pareil, donc c'est des moyennes mobiles. J'utilise des moyennes mobiles 200. J'utilise des moyennes mobiles 50 également, plus d'autres moyennes mobiles. Mais essentiellement, ce sont ces deux moyennes mobiles-là qui sont les plus réactives. Et en gros, ce qu'on a dit tout à l'heure, pour repérer que vous êtes dans une tendance haussière, le moyen le plus facile, c'est de regarder si les cours sont au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours. C'est que vous êtes haussier. Maintenant, par rapport à votre unité de temps et à votre profil, en fait, vous allez adapter. C'est-à-dire que la moyenne mobile 200 sur un graphique 1 heure, c'est donc une moyenne mobile à 200 heures. Si vous êtes au-dessus, vous êtes haussier. 200 jours, c'est sur le graphique en journalier. 200 semaines, sur le graphique en hebdomadaire. 200 mois, en règle générale, là, ça nous intéresse moins parce que 200 mois, c'est trop long. Et donc là, je vais plus regarder la moyenne mobile à 30 mois ou la moyenne mobile à 50 mois. D'accord. Sur le long terme. Et ces moyennes mobiles-là aussi peuvent faire partie de votre stratégie, c'est-à-dire de savoir quand est-ce que vous pouvez rentrer, quand la tendance, et donc la tendance dominante, est avec vous. Et donc derrière, si vous avez une montée et une consolidation qui se fait au-dessus de ces moyennes mobiles, vous savez que cette consolidation, si elle casse à la hausse, elle a toutes les probabilités
Ouais. de vous donner en fait entière satisfaction. Maintenant, on ne peut jamais avoir de certitude et la plus belle configuration peut très bien échouer. Et donc, c'est pour ça qu'on met en place le plan de trading, puisqu'on a le droit d'avoir des convictions en bourse, mais aucune certitude. Et si on commence à avoir des certitudes, on commence à avoir un attachement émotionnel à l'action. Et ça, on l'a vu, c'est là où les problèmes commencent. Ouais. Alors justement, c'est parfait. Ça corrobore ce qu'on a eu avec d'autres invités sur les moyennes mobiles et donc comment identifier et à quel moment essayer de se placer en fonction de cassage de résistance ou de support. Le mental, qui est, je pense, le dernier point. Mais avant juste le mental, tout à l'heure, j'ai beaucoup aimé. Tu parlais de réussir à sécuriser. La même somme, c'est-à-dire doubler son portefeuille et désinvestir et enlever le montant qu'on avait mis à la base pour pouvoir ainsi partir sur une réflexion mentale où on se dit bon bah là je joue qu'avec des gains. Sur cet objectif d'essayer de doubler son capital initial, toi aujourd'hui les gens que tu accompagnes, à quel horizon réaliste on peut réussir à faire cela? Alors voilà, je sais très bien que c'est compliqué et que chacun est différent, mais est-ce que tu as un horizon de temps qui pourrait être un objectif pour les gens? Tu as répondu, hein. Je veux dire, un investisseur de long terme, il va pas doubler son capital avant plusieurs années, sauf évidemment, il y a toujours, entre guillemets, la chance de tomber au bon moment, juste avant le début d'un cycle haussier, bien évidemment. Donc, il y a toujours ce facteur-là à prendre en compte qui est une variable supplémentaire. Yes. Mais on va dire, plus on est court terme, évidemment, plus on est spéculatif et plus on a la probabilité de doubler son capital rapidement. Mais il y a aussi le facteur risque qui est à prendre en conséquence. Et en fait, il y a deux choix. Quand j'ai proposé ça, c'est pour les personnes réellement qui ont du mal avec leur mental. Il y a des personnes qui arrivent à très bien dissocier la chose et à se dire, ben là, je mets 10 000 euros et c'est 10 000 euros dont j'ai pas besoin pour vivre. Donc, c'est-à-dire que je suis déjà, même si j'ai pas doublé mon capital, je suis déjà dans la mentalité de me dire, je suis prêt à les perdre. C'est pas grave dans le fond. Mais après, cette notion de risque est très importante. C'est que tout le monde comprend le facteur de risque, mais il y a très peu de personnes au final qui réellement l'intègrent. Ouais. C'est-à-dire que quand on prend une position, faut réellement intégrer et partir du principe, pas de se dire ben, potentiellement là, ça, je vais gagner 1000 euros sur cette transaction-là, mais se dire potentiellement, je vais perdre 400 euros. Et donc, j'ai passé la transaction et mentalement, je dois déjà me mettre en tête que j'ai perdu les 400 euros. Parce que là, derrière, si vous êtes mentalement capable de faire ça, eh ben, il peut se passer quoi que ce soit sur l'action. Vous n'êtes pas stressé, vous avez votre plan en place et vous laissez les choses se mettre en place, vous laissez le marché décider. C'est le marché qui a tout le temps raison, c'est le marché qui décide. Donc après, voilà, pour répondre à ta question, il n'y a pas réellement de réponse. J'ai des personnes qui ont réussi à doubler leur capital en l'espace de quelques mois, mais j'ai aussi des personnes qui n'ont pas doublé leur capital et qui sont en bourse depuis déjà plusieurs années, mais qui arrivent quand même à faire du 10-15% sur un portefeuille long terme aujourd'hui, ce qui est quand même très intéressant. Il faut aussi un petit peu tuer les idées reçues. C'est ça. Plus on est long terme et plus on a un gros capital, et plus en fait, il ne faut pas rêver de faire plus 400%. Je veux dire, à mes débuts, j'avais un petit portefeuille, donc… quand j'affichais ma performance de faire plus 100, j'ai même fait une année à plus 150%, c'était exceptionnel. Mais c'était exceptionnel parce que j'étais là en 2009 et c'était exceptionnel aussi parce que à ce moment-là, j'avais encore un petit capital et que donc, c'était plus facile en termes de pourcentage. On a l'impression que wow, c'est énorme. Aujourd'hui, si je fais 20% par an sur mon portefeuille court terme et 10% par an sur mon portefeuille long terme, c'est amplement suffisant pour moi. Donc, je ne suis pas à la recherche de faire plus de pourcentage parce que je sais que la valeur de ce pourcentage en euros a énormément évolué depuis des années. Donc, suivant le capital, évidemment, doubler le capital, c'est pas une fin en soi et il faut éviter de se mettre la pression vraiment. Il faut vraiment pas se mettre la pression en disant je dois battre le CAC 40, c'est-à-dire je dois faire mieux que le CAC 40. Non, je dois battre tel trader ou je dois battre les performances de Julien ou je dois battre les performances de mon fonds, etc.
Parce que là, clairement, c'est la mauvaise mentalité parce que ça va vous pousser à ce qu'on appelle de l'overtrading, c'est-à-dire continuellement à vouloir aller chercher de la performance et du coup à être impatient et à ne pas attendre que les opportunités viennent à vous. Et donc, il faut réellement être plus dans l'aspect qualitatif, c'est-à-dire rechercher les bonnes opportunités et être patient qu'elles se construisent plutôt que de tirer sur tout ce qui bouge à vouloir à chaque fois. On voit sur Internet des personnes qui vous disent voilà, vous allez gagner 10% par mois, 20% par mois. Il y aura des mois en bourse où vous aurez la possibilité de faire ce genre de gain. Mais il y aura également des mois où il n'y aura rien à faire. Il y aura des mois où il n'y aura pas de performance à faire. Il y aura des mois où il faudra accepter. Et le plus important sera de ne pas perdre d'argent. Parce que ça vous permettra, lorsque les opportunités et le cycle se remettra en marche, d'avoir votre capital plein. Et donc ça, c'est les intérêts composés, c'est de pouvoir conserver la pleine taille de son capital lorsque les opportunités reviennent et que on a toutes les munitions pour pouvoir tirer plein pot. Et donc du coup, si vous gagnez 10% sur un capital qui n'a pas été tronqué, eh ben ça sera une valeur de gain beaucoup plus intéressante que si vous avez gagné peut-être 30% et puis derrière, vous avez fait un drawdown, ce qu'on appelle un drawdown, et vous avez perdu 20% de votre portefeuille parce que vous avez voulu tirer sur tout ce qui bouge. Du coup, derrière, eh ben, il vous reste plus autant de capital lorsque le nouveau cycle va arriver. Ouais, donc, totalement. Réduire, pour moi, avant de penser gain, il faut penser risque. Avant de penser performance, il faut penser ne pas perdre de capital. C'est ça le nerf de la guerre, parce que c'est ça qui nous permettra réellement, donc jouer plus défensif que offensif, c'est ça qui nous permettra de tenir la stratégie et donc, sans s'en rendre compte, en fait, la performance et vos gains vont venir. Si vous vous concentrez uniquement sur la routine et le processus, les gains viendront de même. Si vous vous concentrez uniquement sur les gains, vous allez perdre parce que c'est les émotions qui vont prendre le dessus. Ok, ouais, c'est excellent. Du coup, là, vraiment, sur l'aspect mental, est-ce qu'il y a d'autres choses, d'autres astuces, d'autres trucs que tu donnes et que tu enseignes à tes élèves sur la notion uniquement de mental, voilà, bon, qu'on a déjà pas mal abordé, mais… Ouais, alors pour moi, clairement, toutes les erreurs, en fait, remontent à l'erreur type qui est la non-gestion du risque. La plupart, aujourd'hui, des investisseurs, ils gèrent pas leur risque ou ils gèrent mal leur risque parce qu'ils tombent amoureux de leur action, parce qu'ils commencent à avoir un attachement émotionnel à celle-ci. Pourquoi ? Parce que la taille de position est trop importante. Donc déjà, vraiment identifier là-dessus les tailles de position, diversifier à minima les actions, mais le but du jeu, c'est de pas trop diversifier, parce que si vous diversifiez trop, en fait, la bonne taille de position, c'est une taille de position qui est suffisamment importante pour que le gain soit quand même intéressant et que ça ne vous transforme pas en quelqu'un de passif, parce que si votre taille de position est trop petite, en gros, vous allez faire du buy and hold et les fluctuations seront tellement inintéressantes que vous n'allez même pas vous soucier de savoir s'il faut vendre, s'il faut acheter, vous allez le garder ad vitam aeternam, mais ça, c'est faire du passif. Je suis contre du 100% passif. Pour moi, même sur du long terme, on garde quand même une certaine partie d'activité en regardant les graphiques et les bilans des sociétés. Et donc ça, pour moi, c'est très important, la bonne taille de position. Par contre, si vous n'arrivez pas à dormir la nuit, si vous êtes, malgré le fait d'avoir mis un plan en place, vous vous demandez s'il faut rajouter au pot, s'il faut en racheter, vendre, vous savez pas quoi faire, donc vous allez sur les forums boursiers, vous allez lire les analyses de différents analystes, etc. Ça, c'est une alerte. À partir du moment où vous essayez de chercher la réponse ailleurs, c'est que même si vous avez un plan, c'est que soit vous n'avez pas de plan, soit même si vous avez un plan, vous êtes tellement dans l'émotionnel que vous n'êtes pas en train de le tenir. Et donc ça, c'est la première alerte de se dire « aïe, c'est l'émotionnel qui est en train de dicter mes agissements en bourse et ça peut mal tourner. » D'accord. Donc, et derrière, le point essentiel, c'est pour éviter que les émotions prennent le dessus, c'est donc clairement, en effet, de se mettre toujours dans le sens de la tendance dominante, c'est-à-dire de prendre des trades où on a les plus fortes probabilités de succès. Parce que c'est comme en poker, s'il y a des joueurs de poker, le poker, il y a des parties de variables, c'est une affaire de chance, mais ce qu'on veut, c'est réduire au maximum la chance. Vous ne jouez pas toutes vos mains au poker. De la même façon, en bourse, le but du jeu, c'est de pas jouer toutes les opportunités. Il y aura des opportunités qui seront très intéressantes parce que votre risque sera très réduit par rapport à votre potentiel d'objectif de gain.
Et il y aura des opportunités où finalement, il n'y aura pas un énorme risque, mais il n'y aura pas un énorme gain non plus. Ouais. Ça, ce n'est pas intéressant. On ne veut pas aller sur ce type de, on veut pas aller sur ce type de titres-là qui vont nous demander du temps de suivi, qui vont nous demander justement de l'effort et qui, au final, vont plus nous fatiguer qu'autre chose. Donc, vraiment, voilà, privilégier de la qualité plutôt que de la quantité. Et donc, éviter l'overtrading, éviter les impulsions, etc. Et Ouais. ça, travailler sur ce côté de patience, c'est très difficile et ça peut Ouais. prendre du temps. Suivant les gens, hein, il y a des gens qui vont avoir le déclic comme ça en quelques semaines, quelques mois, et d'autres personnes qui vont mettre des années, hein, à pouvoir avoir ce déclic-là. Hein. D'accord. Personnellement, j'ai mis quasiment 2 ans à comprendre, parce que même si on comprend les informations, et même si on a l'impression que c'est du bon sens, et ben derrière, quand on est face au PC et qu'on est face à nos décisions, à notre portefeuille, et ben croyez-moi, on a du mal, on sait ce qu'on devrait faire, mais on On a a du du mal à mal se à faire. contrôler. On a du mal à exécuter. Et donc, c'est sur ça qu'il faut réellement travailler plus que de rechercher le dernier indicateur technique à la mode et quelque chose qui va vous donner plus de trades gagnants. Je préfère avoir moins de trades gagnants. Et d'ailleurs, personnellement, hein, je suis à 50-50. Hein. J'ai que 50% de trades gagnants aujourd'hui en termes de pourcentage. Mais la grande différence, je la fais sur ma capacité à gagner beaucoup d'argent quand j'ai raison et à perdre peu d'argent quand j'ai tort. C'est pour ça que je partage aussi mon portefeuille sur le site pour vous démontrer que c'est pas tout d'avoir une bonne stratégie. La discipline est super importante et même moi, après des années, j'ai toujours une ou deux faiblesses mentales pendant l'année où justement, voilà, j'ai du travail aussi à faire sur ce point-là. C'est un D'accord. travail éternel, hein. Ouais, et c'est super intéressant. Et du coup, ce que pour récapituler un petit peu, pour une personne qui voudrait commencer et se lancer là-dedans, je pense ta recommandation, c'est d'essayer. Bon alors, après en analysant d'abord son profil, mais quelque chose qui est le plus commun, c'est d'avoir un portefeuille plutôt long terme et un portefeuille plutôt moyen terme ou voire court terme. Et pour chacun de ces portefeuilles, avoir son plan de trading. Alors, est-ce que le plan de trading, enfin, c'est-à-dire savoir les indicateurs, même utilisant des indicateurs simples, qui vont permettre de screener les bonnes actions et de décider à quel moment rentrer dedans. Et puis ensuite, d'avoir la bonne taille de position et le bon stop loss qui va déterminer le risque maximum de chaque trade, quoi. Exactement, voilà. Donc Ok. gérer le risque, parce que le fait de gérer le risque, ben, en fait, on met les émotions au placard, on met Ouais. l'ego au placard aussi. La plupart des gens perdent en bourse, pas parce qu'ils veulent avoir raison, en fait, ils ne veulent pas se tromper. Et ça, Ouais. c'est le pire ennemi en bourse, au final, ce n'est pas la stratégie. La stratégie est rarement mauvaise, il y a de très bonnes stratégies. Mais la problématique, c'est l'exécution de cette stratégie. Et donc, c'est souvent D'accord. le mental qui pêche. Ouais. Ok, super. Non, c'est vraiment très intéressant. Et effectivement, en voyant ça, on peut se dire, bah voilà, si on se donne 100 jours, on peut dédier 1 ou 2 heures par jour à définir, mettre en place ces deux portefeuilles et puis commencer à identifier les titres et les plans de trading adéquats en commençant, tu disais, par mettre ses premières, en disant, reprenons l'exemple de si on a 2000 euros, on commence par mettre 200 euros et puis 200 euros, 200 euros en essayant à chaque fois de les placer correctement sans forcer non plus le destin. Si à un moment où on a les 200 euros, on n'a pas, ben, peut-être on les met sur le compte. Et puis on les traite pas encore et là, le mois d'après, bah, il y aura une opportunité. Et puis là, peut-être on pourra mettre Exactement. deux Ouais, opérations. exactement. Travailler sur la patience. Après, si on a sur un petit compte, vraiment faire très attention aux frais, hein. Ouais. Pas pour pas plomber la performance à cause des frais. Et puis clairement, la finalité que j'ai envie de dire, c'est d'énumérer, de citer la loi de Thévenet, hein, qui est plutôt liée au management, mais qui est tout à fait adaptée à la bourse. C'est la loi des 2,96-2. C'est-à-dire, cette loi, en fait, elle dit que pour moi, l'investissement en bourse, pour 2% des gens, ça va être inné. Et donc, Ouais. clairement, ils vont comprendre sans même inconsciemment ce qu'il faut faire et se mettre toujours dans le sens de la tendance dominante, etc. Pour 2% des gens, il vaut mieux arrêter tout de suite parce qu'ils n'auront jamais le bon mindset. Donc, non, il faut dire ce qui est. Ce n'est pas non plus pour tout le monde, hein. Il ne faut pas non plus vendre complètement, dire que voilà, tout le monde peut y arriver, etc. Non, il y a des personnes qui, malheureusement, n'y arriveront pas, même avec tout le travail du monde, parce qu'elles auront cette problématique, justement, à contrôler leurs émotions, à contrôler leur mental. Et pour 96% des gens, ça se travaille.
C'est une étude, tout simplement. Voilà, c'est prendre du temps. Alors, au début, c'est clair et net. On parlait de routine. Ça ne va pas prendre 30 minutes ou une heure. Hein. Quand vous commencez, forcément, ça prend plus de temps. Mais le but, voilà, avec le temps, au fur et à mesure, votre œil s'aguerrit et vous avez la capacité de repérer beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement, grâce à des logiciels d'analyse, grâce à des communautés également, comme sur graphseobourse.fr et puis d'autres sites également. Et vous gagnez du temps de cette manière-là et vous forgez votre œil à justement pouvoir repérer à chaque fois les bonnes actions au bon moment. Et on apprend avec le temps, hein, et c'est un travail, hein, tout simplement. Ouais, mais c'est super intéressant pour cette méthode. Alors, on va s'approcher des trois dernières questions pour terminer cette interview. S'il y avait la première d'entre elles, s'il y avait un livre, un ouvrage que tu recommanderais aux personnes qui nous écoutent et qui souhaitent se lancer, de référence, un ouvrage de référence, lequel serait-il? Ben, en fait, je vous recommande, pour les débutants, il y a beaucoup d'ouvrages qui sont très bien sur l'analyse graphique, etc. Mais clairement, en fait, très rapidement, il faut que vous passiez plus de temps sur les émotions et à travailler les émotions que la technique. On a tendance, quand on perd en bourse, à se dire c'est pas possible et donc à passer encore plus de temps à essayer de rechercher la technique miracle, l'indicateur miracle, etc. Et ça marche pas. Ce qu'il faut, au contraire, c'est commencer à passer votre temps sur l'émotionnel. Et pour moi, c'est le livre pour moi qui est vraiment le plus parlant et que finalement j'ai compris qu'après des années, parce que ce livre est clairement très très riche, mais tant qu'on n'a pas l'expérience, etc., il y a certaines phrases en l'espace de deux lignes qui disent tout en fait, mais il faut une certaine expérience pour les intégrer et pour les comprendre. Et pour moi, c'est le livre de Jesse Livermore, donc c'est Mémoire d'un spéculateur en bourse. Et ça, clairement, pour moi, ce livre-là, c'est une bible parce que on ne parle pas de technique, ça parle essentiellement d'émotions en gros et de gestion des émotions. Et finalement, ce qui fait clairement la différence à long terme, hein, sur la performance d'un investisseur. Donc, c'est pour moi Excellent. le livre. Bien sûr, il y a d'autres livres sur l'analyse graphique, Non, mais c'est etc., parfait, justement. Ça sort un peu qui de sont ce qu'on a excellents. d'habitude. Donc, et comme tu dis, c'est très important. C'est sous forme d'une biographie. J'avais jamais entendu parler de ce livre. Ouais, c'est finalement une discussion. Donc c'est un trader en fait du début du XXe siècle, hein, qui a notamment fait fortune sur des cracks de 1907 et de 1929, qui a également perdu des fortunes pour ne pas avoir suivi lui-même ses propres règles. Donc ce qui est très intéressant dans ce livre-là, justement, c'est toute la dimension qui est donnée à cet aspect mental et où on voit toute la dualité justement et toute la complexité de pouvoir jour après jour, trade après trade, rester discipliné et avoir une routine à toute épreuve et donc un mental très très fort. Et donc c'est ça pour moi qu'il faut vraiment travailler. Et ce livre-là, il est très très riche parce que tout ce qu'un investisseur peut vivre émotionnellement dans sa carrière entre guillemets d'investisseur, ce livre-là en fait va lui sauter à la figure comme une évidence. Ok, super. Alors, deuxième question. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un outil qui te permet de un petit peu hacker cette niche du trading boursier? Un outil que tu as découvert, dont tu ne peux plus te passer et que tu recommandes à tout le monde, quelque chose qui n'est pas forcément très connu ou qui est très connu, mais qui a un fondamental dans ta boîte à outils, quoi. Ouais, ce qui est fondamental, je pense, pour moi, c'est d'éviter la solitude de l'investisseur et c'est donc de participer à une communauté. Pour moi, clairement, je l'ai ressenti dans mon propre trading, hein, le fait de partager avec des gens, le fait de partager mes positions également, ça m'évite de me mentir à moi-même, ça me fait prendre responsabilité de mes décisions et de mes positions et ça, c'est quelque chose de très important pour l'investisseur. Et donc, le fait de participer à une communauté, alors que ce soit sur Graphseo Bourse ou ailleurs, hein, bien évidemment, ce qui est très important, voilà, c'est de ne pas être seul devant ses écrans et de pouvoir confronter ses idées, de pouvoir partager et de s'enrichir de cette manière-là. Pour moi, c'est un outil qui est donc beaucoup plus qui va aider beaucoup plus l'expérience de l'investisseur et du coup à gagner également en expertise beaucoup plus rapidement grâce aux expériences partagées des différents investisseurs. Alors, il faut éviter les forums boursiers parce que là, clairement, c'est une perte de temps. Malheureusement, les bons intervenants sont complètement noyés par les mauvais. Mais voilà, il faut plus rechercher du coup des communautés qui sont beaucoup plus fermées
où voilà, c'est un petit peu entre guillemets trié sur le volet et on a vraiment une richesse. Ça a été mon but hein, vraiment avec la création du site graphcobourse.fr et depuis une année avec la création de l'académie, l'académie des graphes que j'ai créée, voilà, où aujourd'hui on a plus de 200 membres, où non seulement c'est une formation, mais en plus c'est un accompagnement, parce que je pense que plus qu'une formation, la grande majorité des investisseurs ont besoin d'un accompagnement au quotidien, hein. Et c'est ça qui va leur faire gagner énormément d'années dans leur apprentissage et dans leur capacité, voilà, à gérer également leur mental, gérer leur position et devenir des investisseurs indépendants par la suite. C'est clairement une compétence qu'on développe pendant des mois et des années, mais qui sert après sur toute une vie, hein. Ouais, et justement, alors, pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui, qui seraient intéressés d'aller un petit peu plus loin, est-ce que tu aurais quelque chose à leur offrir, un guide particulier que tu pourrais leur offrir, qui permettrait de continuer cette discussion qu'on a eue ensemble et puis de continuer à partager ta pédagogie. Voilà, ça fait plus de 10 ans que tu enseignes, donc effectivement, t'as pu prouver que ça marchait, sinon les gens auraient lâché depuis longtemps. Ouais, alors bon, bien évidemment, il y a mon site, il y a plus de 4000 articles, hein, donc vous pouvez visiter le site graphcobourse.fr. Mais après, voilà, j'ai une newsletter et dans cette newsletter-là, j'ai quand même synthétisé les choses à minima parce que sinon ça fait un peu beaucoup. Ouais. Il y a différents guides, notamment un guide du coup pour apprendre l'analyse graphique et un autre guide aussi pour apprendre la gestion du mental, voilà. Et donc ça, voilà, gratuitement, si vous inscrivez à la newsletter. Tu nous donneras un lien, comme ça je mettrai directement en parallèle de la vidéo pour les gens qui sont intéressés à aller, je pense qu'il y en aura beaucoup, à aller télécharger ces guides. Et puis, comme tu le disais, ça met aussi, ça les inscrit dans la newsletter où tu partages notamment les actions que toi tu as repérées, etc. Exactement, ouais. Un partage, ouais, c'est une partie de partage totalement offerte que tu fais depuis une dizaine d'années maintenant, quoi. Ouais, en toute transparence, parce que moi là, pour moi, l'important c'est pas de prêcher la bonne parole, mais c'est de montrer également l'importance de ce mental-là en le démontrant moi-même. Ouais. Avec les difficultés que je peux avoir, et c'est très intéressant aussi. Et c'est là où on peut avoir des discussions, et des fois il y a même des lecteurs qui me disent, là attention Julien, ta position elle est un peu grosse. Comment t'arrives à gérer ça, etc. Et du coup, ça aide vraiment. C'est pour ça que je disais que l'outil pour moi qui est vraiment très important, c'est cette communauté. C'est une communauté d'entraide, voilà, où les gens justement vont s'aider et vont être un petit peu comme un garde-fou sur nos différentes trades pour éviter de faire des erreurs tout simplement qui peuvent coûter cher. Ouais, c'est sûr. Et pour terminer, est-ce que toi, depuis avec le recul que tu as, tu as pu identifier une tendance d'un engouement plus particulier sur le trading, la bourse de la part des particuliers ou plutôt à l'inverse, un dégoût En fait, plus les marchés montent et plus il y a un engouement, ce que je serais tenté, voilà, d'analyser, c'est là où il faut faire attention parce qu'on a quand même beaucoup de personnes qui se lancent comme ça, sans savoir, sans se former. Donc, je pense qu'il y a quand même une formation minimale. Et comme je l'ai dit, pour 2% des gens, ça va être inné, mais pour 96% ouais. des gens, il y a ce besoin de se former. Il y a beaucoup de choses gratuites sur Internet, hein. On peut trouver énormément de choses, notamment sur tout ce qui va être technique. Ouais. Mais le mental, je veux dire, ça, c'est un travail à faire sur vous-même. C'est un travail d'accompagnement qui est nécessaire. C'est du tacite, hein, donc c'est très difficile de trouver des choses sur Internet là-dessus. On peut lire beaucoup de choses, ça peut nous paraître du bon sens, mais c'est finalement quand on voit les choses qui sont répétées, et on se rend compte que c'est pas parce qu'elles sont répétées, c'est pas parce que c'est du bon sens que finalement ça vaut pas grand-chose. Et ben au contraire, c'est que c'est là le plus important. Ouais. Et au contraire, plutôt que de le balayer d'un revers de la main en se disant bon, c'est pas la méthode du Saint Graal parce que ouais, tout le monde j'ai déjà vu. Ouais. Et en fait, non, si tout le monde en parle, c'est parce que c'est ça qui est vraiment important, ouais. Clairement. Ouais. Ok, ouais, c'est super intéressant. Et je suis là pour finir un comparatif avec oui, j'ai interviewé sur l'entrepreneuriat et le web entrepreneuriat où on disait bah voilà, choisir une niche ou un produit à lancer, c'est pareil, s'il y a beaucoup de concurrence, au final c'est que c'est un produit qui marche, donc t'as pas forcément besoin de trouver le produit miracle dont personne n'a jamais entendu parler parce que il est pas validé et que le marché n'existe pas, donc ça sert à pas toujours à quelque chose d'être toujours dans la nouveauté, dans le plus, dans le mieux. Et travailler les fondamentaux, c'est,
C'est ce qu'il y a de mieux. Hein. Une boulangerie, il y en aura toujours. Et jusqu'après, Ouais. ça vaut encore quelque chose des boulangeries, quoi. Ben, c'est la même chose qu'il faut faire en bourse quand on sélectionne les entreprises, hein. Toujours regarder un petit peu si c'est un business viable ou pas, hein. Ouais. Super. Bah écoute, merci beaucoup Julien. Merci à Tout le monde toi. pourra aller voir. Je vous conseille les guides que Julien a compilés pour voilà essayer de vous faire progresser, de mettre les fondamentaux. Je pense que vous avez bien compris. Essayez d'avoir un plan et puis d'avoir une vision à la fois long terme et court terme pour faire de cette activité, de cette aventure de trading, quelque chose qui puisse vous rapporter potentiellement des revenus, bien sûr à long terme, et puis peut-être à court terme, si vous en avez l'envie et la rigorosité, la rigueur. Ouais, la rigueur très importante, une qualité essentielle, hein. Ouais. Bon, bah, merci beaucoup, Julien. À Merci très à toi. bientôt. Et puis, je te remercie de la part de tous les gens qui nous ont écoutés aussi pour avoir consacré le temps de cette interview. Ouais, merci, Salut! merci, merci à eux et à bientôt. Salut! Salut.